Zora. Justice. Abashu. Non à l'impunité. Non à l'impunité. Non au viol. Non au viol faites aux femmes. Non à l'impunité. Que la justice soit rendue. Justice. Je me présente, je m'appelle Adjar Kaltouma, je réside à Paris, je suis tchadienne. Aujourd'hui, on est tous réunis pour une cause noble, en tant que femme, en tant que fille et en tant que sœur. Je suis écœurée, indignée par rapport à ce qui s'est passé par Zohra. Je me sens, aujourd'hui, je suis Zohra. Je suis la femme séquestrée, violée, humiliée.
par nos frères tchadiens. Quand j'ai vu les photos sur Internet et les vidéos, mes chers frères, mes chères sœurs, j'ai pas dormi. J'ai passé une nuit terrible parce que je me suis sentie humiliée aux yeux du monde. J'ai vu le beau corps de notre sœur Zohra, cette fille innocente de 16 ans. Nul ne mérite ça, nul. Mes chers frères, en tant que femme, en tant que fille et en tant que sœur, je vous demande la justice à ma sœur Zohra. Je demande justice à Abachou. Abachou, il a que 16 ans. Il a fêté son anniversaire le 11 avril, imaginez. Il a écrit sur son Facebook. Je suis en train de fêter avec ma famille. Et il est mort juste après une semaine. Est-ce qu'il mérite ça, Abachou? Non, il ne mérite pas ça. Qui mérite d'être humilié de la sorte? Débit, oui. Vous savez, mes frères, l'homme tchadien, c'est l'homme tenace, l'homme courageux. Et l'homme qui défend la... C'est fait que le monde est en envers. Cet homme, ces mêmes hommes, il est devenu monstre. La plupart des femmes ne connaissent pas la jouissance sexuelle, mes chers frères. La femme n'est pas un objet. Aimons-nous, donnons-nous l'amour, juste à nos propres valeurs. On ne demande que de l'amour, on ne demande pas d'être séquestré. Aujourd'hui, je m'appelle Zohra, parce que je me suis cachée pendant longtemps pour ne pas dénoncer ces actes ignobles. Mais aujourd'hui, j'ai dit non à l'impunité, non à leur méta. C'est la première fois de ma vie de prendre un micro devant ce monde. Mais tellement que je me suis sentie humiliée, j'ai ce courage de vous parler, de vous regarder yeux dans les yeux. J'ai pas dormi pendant une semaine, croyez-moi. Et j'ai dit non. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus, il faut changer les choses. Levez-vous les hommes. Levez-vous, arrêtez ça. On n'est pas des objets. Zohra a été humiliée. Elle ne mérite pas ça. Nul ne mérite cette humiliation. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, les choses vont énormément changer. Je demande juste à notre gouvernement de rendre justice à cette fille. Cher gouvernement, moi en tant qu'Adjar Kaltouman, en tant que Zohra, je vous demande justice à ma sœur, s'il vous plaît. Merci pour votre attention. الاختصاب ده ما يرضى ابو بيت فيكم اي واحد لو عنده بيت ده ما يرضى الشيء ده ان شاء الله الصوره دي بصر بالله العظيم يعني تشمعيز منها الابدان ذاتها وشكرا لجميع الاخوان ونحن معاكم والله يجعل الصافين في دوام العداله دي ان شاء الله وشكرا Aujourd'hui, on est tous là pour dire que trop c'est trop. La femme tchadienne ne peut pas vivre sans dignité et il faut la vraie justice. Une vraie justice des gens condamnés pour de vrai, pas envoyer une pesou juste pour que la foule se calme. Donc justice pour les femmes et justice à tous les niveaux. Donc voilà, justice. Merci. L'oncle de Abachou et en même temps de Zohra. Donc, je suis là aujourd'hui devant vous pour partager cette douleur. Tout ce que je peux dire au gouvernement tchadien, c'est de demander la justice, rien que la justice. On a perdu notre enfant, et notre sœur a été violée, notre fille a été violée,
Tout ce qu'on demande, c'est la justice. Simplement la justice, c'est pas difficile. Alors, donc, je vous demande, mes frères et sœurs, il ne faut pas indexer une ethnie. Parce que je vois un peu sur les pages que les gens ils disent, bon voilà, c'est des Ahawas. Effectivement, c'est des Ahawas. On ne peut pas dire que c'est des extraterrestres, c'est des Ahawas. Ils appartiennent à un clan, c'est sûr. Mais il y a des Ahawas qui sont dits, et il y a des Ahawas qui ont souffert de leur vie. Ils ont souffert de ce régime de débit. Donc, s'il vous plaît, les Ahawas sont nos frères. Les femmes Ahawas sont nos sœurs. Il y a des Ahawas qui ont subi aussi des humiliations. Ne pensez pas qu'ils sont au-dessus de ces affres du gouvernement de Déby. C'est un système. Aujourd'hui, tous ceux qui applaudissent tout autour de Déby, ce n'est pas des Ahawas. C'est moi, c'est vous, c'est vos oncles, c'est nos tantes, c'est ça. J'ai vu des gens crier sur Déby. C'est un système. Donc, s'il vous plaît, évitez-nous ça. Nous sommes des Tchadiens, nous sommes unis, que ce soit Zahawa, Goran, Kanambou, Bourno, nous sommes tous des Tchadiens. Et aujourd'hui, on pleure notre fils, on pleure notre sœur aussi en même temps. Le pouvoir, c'est le peuple. Et ce peuple-là, c'est nous qui sommes ici debout. Nous devons prendre cette conscience. Car demain, si les choses doivent changer, si la justice se fait au Tchad, si la justice se fait en RDC, si la justice se fait au Cameroun, si la justice se fait dans tous les autres pays africains, c'est parce que le peuple aura pris son pouvoir. Et c'est sur ça que je veux rebondir. C'est le pouvoir du peuple. Maintenant, j'ai une mémoire très forte pour Zouroua. Chez nous, en République démocratique du Congo, il y a plus de 3 millions de femmes violées. En 15 ans d'un gouvernement honteux. Comment est-ce qu'il peut avoir 3 millions de femmes violées et qu'il n'y ait jamais eu un seul coupable? Qu'il n'y ait jamais eu aucune justice internationale pour punir les auteurs? Alors j'encourage la justice tchadienne à punir les coupables de Zoura, car on sait qu'ils sont. Mais si ces hommes ont pu le faire, c'est parce que derrière il y a un système qui leur permet d'avoir cette liberté, de déconsidérer les femmes, de déconsidérer les filles. Et cela, nous devons, nous les femmes, j'en appelle aux femmes, aux filles, nous sommes les mères, nous sommes là, le berceau de l'humanité, comme on ne cesse de le dire. Mais on ne va pas finir, ce ne sera pas que des mots, il faut vraiment qu'on prenne cet élan, ce flambeau. C'est notre rôle. Une femme qui naît doit être une battante, doit être une combattante, doit être une résistante. Si elle n'est pas combattante, elle ne pourra pas tenir sa famille et encore moins tenir un pays. Alors je demande à toutes les femmes de venir, de vous rassembler, pas seulement pour Zoura, parce qu'il y en a d'autres, et il y en aura d'autres si on continue à se taire. Il faut que nous soyons ensemble. N'ayons pas honte, n'ayons pas peur de nos maris, n'ayons pas peur de nos pères, n'ayons pas peur des hommes qui sont autour de nous, parce que c'est grâce à nous qu'ils ont cette vie-là. C'est grâce à un homme qui est debout, qui est fier, qui est respectable, c'est parce qu'il a eu une maman digne. C'est parce qu'il a une femme à côté de lui qui le soutient. Alors n'ayons pas honte d'être femme. Nous sommes les plus belles, nous sommes les plus fortes. Je ne discrimine pas nos hommes car je les aime beaucoup aussi. Et c'est grâce à des hommes forts qu'aujourd'hui, le monde peut bouger aussi. Mais les femmes, engagez-vous. Merci à vous tous. Je vous rappelle tout simplement que je fais partie, je suis la présidente du collectif Souveraineté Panafricaine. Et j'invite nos frères tchadiens, Abdelkerim, tu sais pourquoi je dis ça, Abassa, tu sais pourquoi je dis ça. Nous étions ensemble et nous devons être ensemble. C'est l'unité africaine qui fera bouger et qui fera changer les choses. Merci à vous. Et Ngueta ! Toi, ma petite sœur, que je ne te connais pas. Tu es la femme la plus digne du monde. Tu es la femme la plus belle du monde. Ténace. Tu représentes l'image de la femme africaine, de la femme tchadienne. Zoura, tu auras un très, très, très bon homme qui va t'aimer à ta juste valeur, qui te rendra heureuse. De là où je suis, Zoura, sache une chose, ton mariage, ça sera une fête nationale. Zoura, tu n'es pas violée. C'est ce criminel qui doivent avoir honte. Toi, aucune femme peut faire ce que tu as fait de haut de tes 17 ans. Moi, j'ai 27 ans aujourd'hui. Mais je ne sais pas si je pourrais supporter ce que Zoura supporte en ces moments. Et je demande à tout un chacun de laisser un peu la fille dans son intimité. Et aussi, qu'elle arrête avec ses vidéos. Elle n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. À bas la justice. Justice pour Justice pour
Justice pour Zora. Hommage à Bachou. Hommage à Bachou. Justice pour Zora. Hommage à Bachou. Justice pour Zora. Hommage à Bachou. Justice. À bas les viols. Non à la violence. Mais à la violence, c'est près de la femme tchadienne. Hommage à Bachou. Justice pour Zora. Justice pour Zora. Justice pour Zora. Ce qui t'est arrivé à Zouhour, certainement, ce n'est pas la première, c'est pas le premier viol. Mais sachant que ce qui s'est passé à Zouhour peut passer à nous, à nos sœurs, à nos mères, à toutes les femmes partout dans le monde. En tant que militante et féministe aussi, j'exprime encore une fois ma solidarité avec toutes les femmes tchadiennes, avec toutes les femmes du monde. Merci. Nous sommes tous les femmes tchadiennes, nous sommes tous les femmes tchadiennes, nous sommes tous les femmes tchadiennes. Merci. Nous avons beaucoup de choses, nous avons beaucoup de كلام الكثير كله هجينا مثلا خليني اذكره لو مشيت بيت شريط على الراديو جبت حطيته في الراديو كان سميت الميزيك ترجع تاني كله تسمع مصيبة الحسد كان لنا حوالي مدة 25 سنة يعني يكون شنو علينا تعدين نقول الشغل الجادة فات لكن ما فات الناس اللي في عقلهم قايد حتى عندهم زي الشريط عن الراديو بسم بالليل بخلوه واليوم يومين برجو تاني بسمه كل يوم كلنا نعرف اليوم هنا تشاهدين قايدين كان في تشات او من خارج كلنا نعرف مصيبة عن التشات اليوم نادي ورينا ما فيه لكن ما عندنا مشكلة قبلية ولا عندنا حساسية ولا عندنا مشكلة خاص ما نادي نكلم شنو في الوحدة حقنا احنا الشاذين كلنا نكون واحد كلنا نكون انسان واحد والكلام ده ما كلام الخلاص اليوم نقوله خلاص قلنا نقوله شنو خلاص شغل جاء بعد أسبوع بعد أسبوعين يفوت لا أبدا مستحيل يا أخواني نقول لكم الناس دي لازم فضوا البنيدة وفضوا في الجرائد كل العالم شاف وكل الناس شافوه وفي كان في الشات كان برا أبناء المسؤولين جنرالات والمينستر دافع عنهم ونقول كيف شفنا أمس ناس دول شالوهم قالوا يودون كوراتورا كوراتورا وين؟ ده بيتهم ناس كم في جمينا فجر يقتلوا الناس أشياء يودون في السجن بعد أسبوع تلقى في جمينا رايح يا جماعة ما ني تشاكي تشاكين زمان فات ناد ما بتشاكي الناس خلي بفهم كونوا خلاص دنيا اتطورت رازنا اتفق خلاص فكة Les hommes ont cherché à nous diviser. Aujourd'hui, chaque chose a un mobile. Zohra, c'est une jeune fille innocente. Mais aujourd'hui, elle symbolise toutes les femmes. Toutes les femmes. Parce que il n'y a pas que Zohra. Il y en a des centaines. Si je n'exagère pas, des milliers. Des milliers de femmes meurtries dans leur chair, elles n'osent pas parler parce que c'est un tabou. Par des gens. Des gens qui ont le pouvoir. Nous ne pouvons pas les en vouloir. Nous devons d'abord nous en vouloir nous-mêmes. Nous avons promis cela. Nous avons laissé faire. Les hommes ont été humiliés. Et aujourd'hui, nos sœurs, qu'on était censé protéger, on a laissé entre les mains de ces voyous, on a laissé entre les mains de ces délinquants.
jamais ça. Plus jamais ça. Ce que je dis peut m'engager. On préfère mourir que voir ces images-là. On préfère mourir que voir ces images-là. Parce que on se rappelle de H Football. On pensait que c'était des dérives. Que des gens, peut-être que c'est un coup de cœur. Mais c'est devenu systématique. On dirait qu'ils sont organisés à humilier toutes les communautés du Tchad. On dirait qu'ils sont organisés à mépriser toutes les communautés du Tchad. On ne cible pas une communauté. On sait que dans cette communauté, il y a des gens qui sont bien aussi. Il y a aussi ceux qui ont condamné cet acte. Mais c'est parce que, excusez-moi de vous le dire, mes frères et sœurs, on est trop fataliste. On est trop fataliste. On se dit, Djaba Allah itra Allah. Ça veut dire c'est Dieu qui a donné le pouvoir. Ils vont faire ce qu'ils veulent et ils vont partir. Non. Non. La justice ne partira pas comme ça. On ne veut pas politiser la chose. Mais ceux qui commettent ces forfaits, ceux qui commettent ces forfaits sont protégés par l'État. C'est qui l'État? Ce sont ces généraux. C'est qui l'État? Ce sont ces fils de ministres. À partir d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous avons une fois Zohra. Ces images nous ont fait mal. On a fait des jours et des jours à pleurer. Mais la double peine vient de ces quelques énergumènes qui défient le Tchad tout entier, qui osent défier l'ensemble des Tchadiens. Et là, nous ne permettrons pas. Parce que ce qui est arrivé à Zohra peut arriver à toutes nos sœurs. Et c'est ce qui est arrivé aussi. Je pense que nous allons continuer la lutte. Nous allons continuer les manifestations. Nous allons voir les ONG des droits de l'homme pour que la justice soit rendue, pour qu'il y ait une justice. Votre présence ici, ça témoigne votre sens de l'humanité. Ça témoigne votre intégrité à nos sœurs, parce que c'est notre honneur, c'est notre fierté. Cet acte est ignoble, mais de surcroît a été publié sur Internet. Ça, c'est intolérable. Nous demandons juste que justice soit faite. C'est tout ce que nous demandons. Peu importe la classe sociale de ces personnes qui l'ont séquestrée pendant 5 jours, nous demandons que justice soit faite. La justice doit être applicable sur tous. Voilà, merci. Et soyons là pour elle. Zohra, nous sommes là pour toi. Tu as pris ce courage pour dénoncer et nous sommes là pour t'accompagner dans ce geste. Et nous sommes derrière toi. Merci et continuons la lutte. Merci. Zohra, notre sœur, est une héroïne. Parce que sans dénigrer les femmes qui sont ici, combien de femmes ont reçu les demandes en mariage? Combien? On a tous des demandes en mariage. Alors, je vous dis, peut-être que vous n'avez que 1, 2, 3 personnes. Mais Zohra, aujourd'hui, c'est la moitié des Tchadiens qui veulent la voir comme épouse. Chaque jour, je reçois des messages comme si j'étais le père à Zohra. On me demande Zohra en mariage. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, il me dit, si Zohra se soucie de discrimination ou autre type de tabou, je vais la marier pour lui garantir toute discrimination. Parce que ces sauvages barbares ont cru qu'ils peuvent salir cette fille, mais ils ont fait d'elle la plus propre des filles. Combien j'aurais voulu soit Zohra. Parce que au moins, les hommes ont dit qu'ils ont des couilles. Excusez-moi, je ne mâche pas mes mots. Mais Zohra, elle a des ovules solides. Elle a des ovules. Donc ses enfants, ces gens qui lui ont fait ça, ne peuvent pas bénéficier ou d'être juste une seule partie. Parce que c'est des ovules de la fille de Toumaï. Ensemble, élevons-vous là.
parce que nous ne connaissons pas ça. Nous avons été éduqués, nous, à respecter les femmes. Moi, je respecte les femmes. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les hommes qui sont sortis ici respectent les femmes. Nous sommes tous sortis d'une femme. Nos mères, nos sœurs, nous devons les protéger. Nous devons nous protéger. Et aujourd'hui, je vous remercie. Je suis ému, j'étais en larmes tout à l'heure de voir ça tout le monde. Merci, mon frère, et merci au peuple de Zoura qui nous regarde aujourd'hui. Tes enfants, joyeux, pacifique, en lançant, en chantant, fidèle à tes anciens qui te regardent. Peuple chadien, dévoué à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté n'est pas de ton courage, lève les yeux. L'avenir est à toi. Vous pouvez vous présenter? Avant tout, merci. Je suis le papa de Zoura Mohamed Ibrahim Ali. Pourquoi vous avez décidé de manifester devant l'ambassade du Tchad à Paris aujourd'hui? Nous avons décidé de manifester aujourd'hui devant l'ambassade du Tchad pour prononcer ce qui est arrivé à ma fille Zoura. C'est pour ça qu'on est sorti, pour manifester, pour montrer que la justice soit faite au Tchad une fois pour tout. Bonjour frères et sœurs, moi c'est Adjar Kassouma, je suis résident à Paris. Vous avez initié ce rassemblement, pourquoi? Je crois qu'on a initié ça, c'était pour une cause noble, le viol à notre frère, à notre sœur, qui est Zoura. Je me suis sentie à la place de Zoura. Depuis des années, on est humilié, mais personne n'ose dénoncer de peur d'être tué ou humilié. Mais aujourd'hui, nous, femmes tchadiennes, nous, femmes africaines, on décide de dire non à l'impunité. Non, je redis encore non à l'impunité. Et quel est votre message à l'endroit de société tchadienne et de l'opinion internationale qui vous suit? Aujourd'hui, cher gouvernement, ce que j'ai à vous dire, c'est très simple. Que la justice soit rendue. Que ces criminels repentent à leurs actes. Et je demande à l'opinion internationale, nous, femmes tchadiennes, de nous humilier, d'essayer de faire quelque chose pour ces femmes. Il y a beaucoup de femmes qui portent aujourd'hui le nom de Zoura. Elles n'arrivent pas à dénoncer, elles sont humiliées. Et pour cela, je demande, par ma foi et la foi de toutes mes soeurs qui sont aujourd'hui ici, je demande la justice à Zoura. Je demande que la justice soit faite. Et plus, surtout plus. Pourquoi vous avez initié ces rassemblements? Merci. Nous avons improvisé cette organisation. Nous avons nommé ceci marche citoyenne parce que nous étions indignés par les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Nous sommes indignés parce que c'est quelque chose qui est une première chez nous au Tchad. Le Tchad est un pays de mœurs, le Tchad est un pays de valeurs. Jamais nous avons connu ce genre de choses. Nous étions choqués
des hommes ont pleuré pendant des jours. Parce que cet acte montre qu'il y a une déviance morale. Cet acte montre qu'il y a une perversion des mœurs. Et ces perversions des mœurs sont alimentées, protégées par les tenants du pouvoir. Nous regrettons que l'État, que le système de TV qui devrait protéger ces jeunes, parce que c'est devenu récurrent au Tchad. Nous avons vu le cas de Achefouda, une petite fille qui a été torturée par la famille d'Idriss Déby. Nous avons vu d'autres anonymes que les photons ont circulé et ils n'ont pas voulu se prononcer. Et bien voilà maintenant, cette courageuse fille, on a mis sa photo, ils ont mis sa photo en ligne, ils l'ont humiliée, mais en fait ils ne l'ont pas humiliée, ils l'ont rehaussée. Et partant de ces images, aujourd'hui elles symbolisent toutes les femmes victimes. Nous rendons hommage à toutes les femmes silencieuses qui ne parlent pas. Il n'y a pas que celles-là. Il y a des femmes qui sont mariées, mais prises en otage. Leur mari se marie deux, trois femmes, mais elles restent dans le carreau. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour protester, pour condamner cet acte ignoble et que cette justice soit rendue. Et pourquoi vous avez choisi l'ambassade du Tchad? Nous avons choisi l'ambassade du Tchad parce que l'ambassade du Tchad est le symbole du Tchad. Nous avons voulu montrer notre passivité. Même si aujourd'hui, au niveau du Tchad, le ministre de la Sécurité prend des mesures pour empêcher toute marche, toute voix discordante, nous disons que la démocratie, la constitution du pays permettent à ce que les Tchadiens, les jeunes, se prononcent de façon démocratique. Donc, nous avons visé l'ambassade du Tchad, c'est pour passer un message fort. Que plus jamais nous allons nous taire, plus jamais nous allons nous taire, plus jamais nous allons nous taire. Ils ont humilié notre sœur, ils ont humilié les mères, ils ont humilié les épouses, ils ont humilié les cousines. Ça suffit, nous disons stop. ومرقنا عشان نصب تفرقة بين القبائل أو المجمدين وزعزعة الأمن في بلدنا تشاد لدور الأمن ودور الاستقرار لبلدنا ومن دون نصب تفرقة بين الصبا والمصبا والعرب والدعاء والدكان نحن كلنا تشاديين وكلنا هدفنا واحد